Salut, nous c'est Clément et Lisa. On est passionnés de vélo depuis 4 ans. Et cette année, on fait une partie du Tour d'Europe. Nous empruntons principalement des Eurovélos. On va passer de l'Eurovélo 4 à l'Eurovélo 1, de la Vélo Maritime à la Vélodyssée, et Clément va nous quitter. Ouais. Là, il y a 10 km. C'est beau. Ce matin, nous sommes allés au Mont Saint-Michel, comme vous avez pu voir les images. Et là, on suit une petite digue super sympa, avec du gravier. Sans doute le dernier jour pour Clément, parce qu'il en a ras le bol. Plein de pépins techniques, le moral n'y était plus. Donc je pense qu'il va prendre le train. Enfin, une journée d'été, comme on aurait pu l'apprécier avant, mais du bien au moral. Moi, je continue de prendre la Vélodyssée qui redescend à la maison. Comme quoi, quand on fait des gros périples comme ça, c'est important d'avoir du bon matériel, mais du gros matériel bien costaud, des randonneurs reconnus. Regardez la façade de la maison. Quelle est la date qui est inscrite sur le fronton de la porte? Voie fermée en cas de grande marée. Je crois qu'il y en a eu il n'y a pas longtemps. Ah, putain, ça glisse. Ah, charger, c'est pas évident. Hop, on va monter là. Tu sais que t'es en Bretagne quand tu vois des trucs bizarres rouler sur la route. Ça y est, c'est la rentrée, on entend les bruits dans les écoles. Les enfants qui jouent et les adsem qui gueulent. Voilà mes premiers kilomètres à vélo seul. Clément est allé récupérer un train juste à côté du camping afin de rentrer à la maison. Le pauvre, il aura 5 changements à faire pour réussir à descendre jusqu'à Pau. Et il s'est fait virer du TGV à Nantes parce que, en fait, la réservation avec le vélo s'est mal passée, ça n'a pas fonctionné, donc le contrôleur lui a demandé de descendre. C'est vraiment une grosse appréhension de prendre le train en France. Voilà, les premiers kilomètres seuls. C'est un peu dur, un peu la boule au ventre. Mais j'ai beaucoup de chance que Clément me laisse voyager, même si c'est seul. Je pense beaucoup à me dire que j'ai beaucoup de chance. Et... voilà. Donc, suite aux péripéties de Clément, il a pris un TER jusqu'à La Rochelle, puis un TER jusqu'à Bordeaux, mais le lendemain. Donc, il a pris une nuit d'hôtel à La Rochelle. Quelle galère ces transports en commun, je vous jure.
j'ai rencontré une Allemande sur la route et on a discuté 10 minutes à rouler parce que c'était quand même un petit peu dénivelé. Et, elle est partie plus vers la côte, moi j'ai suivi la vélo maritime et je suis arrivée au camping municipal. Et je me suis installée et la voiture à côté de moi s'est poussée. Et en fait, il y avait l'Allemande qui était juste à côté. Il y avait plein de places, il y avait plein de campings. Et on s'est retrouvés ensemble, on a bien rigolé, on est allé se baigner. Et c'était très sympa, ce matin on a bien plaisanté et on fait la même route, mais je pense qu'on a besoin de solitude toutes les deux. Donc je pense que la vie nous fera nous revoir très vite. C'est ça que j'aime bien dans le voyage à vélo, c'est qu'en fait on se croise et on se recroise quelques mois après. Ou dans la journée on se recroise. Et ça c'est vraiment un plaisir parce que c'est des bons moments partagés et qui sont sympas à vivre. En effet, on va bien se recroiser dans quelques jours. Vous vous rappelez de l'histoire de Dima et Simon que j'avais croisé à Saint-Jacques-de-Compostelle et quelques mois après en Suisse? Je vous fais part de mes réflexions de voyageuse solitaire. C'est vraiment très agréable. C'est différent que quand on est à deux parce que on a vraiment les sens très en éveil. On doit compter que sur nous-mêmes, donc tous les sens sont en alerte. On ressent les choses à 200%. Quoi. On compte que sur nous-mêmes. En fait, quand on voyage seul, on n'est jamais vraiment seul parce qu'il y a toujours des gens qui passent. Et je vous raconte tout ça parce que je sais que j'ai une grosse côte qui m'attend. Je l'ai vue sur la carte et j'ai pas envie d'y aller. Bon, je vais la faire quand même. On va bien bosser tous les jours. Donc, on va se faire une côte. Allez, à toutes. Merci. Hop. Merci. Oh, je viens de voir un ragondin blanc. Oh ben, il est parti. Dommage, énorme. Je sais pas si ça vous le fait en voyage à vélo, vous aussi, mais j'ai les deux mois qui s'opposent. Oh, qu'est-ce que t'es bien là, on est bien ici, prends ton temps. T'as jusqu'en novembre, oh, qu'est-ce qu'on est bien, oh, c'est beau, les petits oiseaux, piou piou. Il y a l'autre mois là qui dit fais des bornes, allez, avance, fais des bornes, allez, dépêche-toi, prends le train. Prends le bus, vite, avance. Oh là là, tu devrais être déjà à Pétochnok. Et voilà, j'ai les deux qui s'opposent. Là. J'ai celui qui râle et celui qui dit mais oh, qu'est-ce qu'on est bien là. Voilà. Je sais pas si ça vous le fait aussi. C'est très sympa par ici. On va aller voir par là. Ouh.
Vous voyez la mer là? De Étable sur mer. Elle est jolie. On a fait tout ça, toute la côte. Portique qu'on était aujourd'hui, béni qu'on y est, et ensuite voilà tout le reste. Hop. Oh là là, la vache. Waouh. La vie est bien faite. Vous voyez le vélo de randonnée là en bas à gauche? Là, et bien c'est une voyageuse allemande que j'ai croisée il y a 2 jours avec qui j'ai bien rigolé. 2 jours après, ben, je la recroise devant ici, même là, là. Donc on a bien rigolé. On était super contents de se recroiser. J'adore le voyage à vélo pour ça. Les oiseaux que vous entendez là, c'est pas des corbeaux ni des corneilles, c'est des choucas des tours. J'aurais fait de me dire qu'il y a un monument historique pas loin. Et ça, c'est le chant des écoliers. Oh, les grands tiennent les petits par la main.
Une bonne idée pour responsabiliser les grands. Non mais là on se croirait dans un autre monde avec des maisons comme ça. Oh là là, mais heureusement que je me suis trompée, regardez ça, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Et au détour d'une erreur de parcours, elle vous rencontre une magnifique église. Waouh! Oh, les églises. Allez, on profite de la petite pause vers la lessive, se reposer, fêter mon anniversaire et changer les tampons arrière de frein parce que ça descend tellement qu'il y en a besoin. Bon, j'aurais appris une leçon sur ce voyage, c'est qu'en fait il faut vraiment vraiment avoir des garde-boue et même les petites linguettes au bout là qu'on installe. Moi elle était tombée. Je l'avais pas remise et en fait, non, c'est hyper important parce que ça abîme tout le mécanisme. Il y a plein de poussière, de sable qui s'y met et en fait, même dans les freins, là aussi, ça se met, ça s'est mis dans le patin du frein. Il y avait des petits cailloux. Je pense qu'on les abîme et non, en fait, mine de rien, tous ces petits résidus là, eh ben ça rentre. Ce matin, je rencontre Audrey qui part. Faire le GR40 le long de la côte. Alors, on a sympathisé, du coup je l'accompagne un peu. Ouais, quand on n'en peut plus, quand il fait très très mauvais, parce que cet été ça a été un peu. C'est l'étiquette. Je viens de me rendre compte que j'ai du jeu dans ma roue arrière, gauche-droite, donc ça craint. Donc je vais devoir couper en direction de Morlaix pour aller voir un réparateur vélo. Donc les roulements arrière sont fatigués, donc le mec de Giant a bien voulu me le resserrer. Et je redescends dans Morlaix pour récupérer la Vélodyssée qui se trouve à la sortie. Revenu sur une petite piste cyclable avec, comme vous pouvez l'entendre, une grosse côte à monter. Et là, on va être bien. Ça fait une vingtaine de bornes que je suis sur une voie verte qui grimpe tout doucement et il fait très moite, très lourd. Du coup je réduis un peu parce que la vitesse, sinon je force un peu trop et je prends pas plaisir. Donc là je vais rouler, quitte à rouler à 12, tant pis. Allez, on se retrouve la semaine prochaine où je longe le canal de Nantes à Brest et je vais faire de très belles rencontres. Je passe des super moments. Merci, à la semaine prochaine, ciao ciao.